Salut tout le monde, ça prend pas assez pour l'instant. Ok, donc je vais vérifier que tout est en marche sur YouTube. Sur YouTube, je ne suis pas en live pour l'instant. Alors, Twitch, est-ce que je suis en live sur Twitch en ce moment même? Normalement, oui. Un peu de musique en fond, hein, comme la dernière fois. En ligne. Ok, donc ça marche bien, je suis en direct, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà. Quand sur YouTube on n'y voit pas. Attends, c'est quand même la dernière fois, je suppose que ça va être. Par contre, je comprends pas pourquoi du coup c'est pas. Ah, diffusion en direct. La qualité du micro est dégueu. Ouais, j'imagine en vrai. Ça casse les couilles ce micro, hein, je vais pas te mentir. Ah mais attends, je me mets le chat pour rien là. Faut que je mette mon chat, du truc du chat là. Voilà, on va prendre ça. C'est bon, ça cache un peu la qualité du micro ou pas là? Ce que je vais faire, je vais directement créer un tournoi. Hop. Alors, je vais mettre live YouTube cops. Alors, on entend les bruits de fond. C'est bizarre, pourtant il n'y a pas de bruit. Peut-être que. Attends. DC9. Alors, pas mal. Mais à trophée 3752. Un deck méta. Enfin, un bélier, on ne voit plus, hein. On voit plus trop de béliers. Un joueur croate. Ok, il y a du monde qui a rejoint ce soir, dis donc. Voilà les profils de Lola. Ah, une toute nouvelle. Enfin, 1956, c'est pas une nouvelle, mais bon, c'est une débutante, on va dire. Et waouh, j'espère qu'elle jouera pas ça parce que c'est un deck qui vaut très très cher quand même. Ok, bon, je regarde un peu les decks des gens hein, parce que voilà, ça m'intéresse. Pas mal celui-là, le deck. Enfin, j'aime pas trop la bombe tower là, comment ça s'appelle déjà? La tour à bombe, bah oui. Par contre, il a des cartes niveau 13, hein. Putain. Il va faire mal, lui, il va faire chier. Alors, Ryan le BG. Un deck full légendaire avec des flèches. Qui coûte assez cher, mais après, waouh. Je sais pas comment il va faire pour combiner le Zappi, le Molos et le cimetière. C'est chaud quand même, hein. C'est chaud quand même. Qu'est-ce que j'ai pas regardé? Luis Ribeiro, j'ai pas regardé, il me semble.
Ah, un nouveau joueur aussi, enfin nouveau. En tout cas, voilà, 2000 trophées. Deck aussi très coûteux, après voilà, il va faire mal, hein. Il suffit qu'il place son géant en fond de cour et puis après le barbare d'élite, ils feront le taf derrière son cul. Ça va, il y a des decks, hein. On voit de tout là. Oh, ça, j'ai jamais vu. Jamais vu. Je sais pas du tout si ça pourrait marcher. On dirait que la pompe elle est nécessaire, hein, c'est clair ça. PSDX D. Ah, je viens de le regarder lui. CR7. Molosse ballon. Avec archer. C'est bizarre même qu'il y ait un chevalier. Ah bon. Mais après, il y a la T2 qui coûte cher aussi, donc forcément, je vais pas tout mettre. Hein. Ah, c'est peut-être la plaie qui fait du bruit de fond. Je vais éteindre la plaie, c'est peut-être ça. Hein. C'est dingue quand même qu'on entende tous ces bruits de merde là. Moi je me réécoute. Oula, on a Supercell avec nous. Vingt-huit sur 50. Oula, Molosse, Golem, Baby Dragon, on en voit beaucoup, hein. C'est assez rare même. Ok, pourquoi pas. Lalo. Trente sur 50, je lance à 50 sur 50, hein, ce qui est logique. On va pas tarder, hein, je pense d'ici 5 minutes, ça y est, c'est blindé. Vite fait en balle s'il n'y a pas des trucs pour mixer pour mixer pour régler le micro. Alors enregistrement, microphone configuré. Ah, toi tu éjectes. Alors c'est pas ça. Ah, il reste 10 places. 10 places, c'est vite passé. Qu'est-ce que ça fait si je le mets là? Oh, ça fait rien, moi je vais mettre ici alors. Je vais voir en grand comme ça. Hop, on va mettre ici. Voilà. Ah, le tournoi, j'ai pas mis le. Ok, de toute façon, ça sert un peu à rien. Mais bon, on va quand même le mettre. Alors, U2G, on va le mettre ici, le temps de l'écrire. U2G 9 OU2. Oups, non, pas l'entrée, hop. Voilà. C'est rempli le poil, hein. Alors, 46 sur 50, là, ça se rapproche, là. On y arrive, hein. À commenter vos games après. Allez, il reste une place et on lance. Blindé, c'est parti, on commence.
Allez les gens. On va voir du beau jeu là. On va voir du beau jeu. Allez, on va regarder Lola. Oups. C'est parti. Du coup, je vais mettre ici. C'est plus simple pour moi. Oula, ça joue un peu un canon. Ok, pourquoi pas. On ne te raconte pas besoin de le défendre, hein. Elle l'a défendu pour rien. Je baisse mon son. Voilà. Normalement, ça n'a pas changé le son pour vous. Salut Théos Gaming, bienvenue sur le live. La voleuse qui a fait un petit taf quand même là. Ah putain. Alors, baby dragon avec le dragon de l'enfer. Ok. Pour l'instant, bon, on voit que Lola n'est pas experte dans le jeu, elle n'utilise pas les cartes au bon moment. Je crois qu'elle ne connaît pas le bon rôle des cartes. Ok Théo, je vais regarder ta chaîne. Juste voir ce que tu fais. Alors allons voir ta chaîne. Une chaîne GTA avec 30 abonnés, pas mal. Ah t'as réussi à avoir 30 abonnés en... En seulement deux vidéos, c'est pas mal. Hein. Je m'abonne. Et tu t'es pas abonné à la mienne, espèce de menteur. Salut Bastien, c'est aussi non, j'en fais pas. Trop mauvais sur COC les potes. Tu t'es abonné Théos? Bah attends, je te vois pas, hein. Moi je vois toujours 11 abonnés. Moi je suis une biche sur COC. Hein. Hop, le premier on va le regarder jouer. Hein. Ah oui, en effet, autant pour moi, Théos, j'ai parlé trop vite. J'ai parlé trop vite. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Il y a du contenu tous les jours. Si c'est pas du Clash Royale, c'est du Destiny. Même des fois, comme aujourd'hui par exemple, les deux. Pour voir ton Vivi. Bah, tu sais quoi, dis-moi, je vais arrêter sur téléphone. J'ai le jeu sur téléphone, mais il est un peu paumé, tu vois. Dis-moi, c'est quoi ton clan, Bastien? Ça fait longtemps que j'ai pas allumé le jeu, hein. Pfiou. Et donc, Mono, c'était un match tranquille pour toi, hein. Dis donc. Oh là là, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Alors, Bastien, je vais regarder ça tout de suite. Alors, comment on fait déjà? Je m'en souviens même plus. C'est dingue. Alors, clan. On va taper l'idée du clan. Hashtag, ça j'ai mis. Oh le con. Hashtag 8.
2, 2, 9, J, Y, O. Les fous furieux. Et on va regarder Bastou. Bastou, tu trouves pas. Ah, Bastou, niveau 86. Ok, t'es HDV9, ça va, hein. Ça va. Moi, je me suis arrêté, tu vois, j'étais un peu plus loin que toi. Mais pas énorme, hein. Pas énorme. Clairement pas énorme. J'ai même pas de clan sur Clash of Clans, donc... Qui fait ce live? Bah, c'est moi, c'est Cops. Ah bah tiens, tu vois, je me suis arrêté sur Clash of Clans, je suis niveau 110. Et je sais pas, j'ai... Mais ça fait longtemps que j'ai arrêté quand même, hein. J'ai craqué, tout simplement. Cops, tu filmes avec un iOS ou Android parce que je cherche un site pour filmer l'écran de mon iOS. Tu veux filmer ton téléphone, c'est ça que tu dis, Théos Gaming? Parce que moi, personnellement, je suis sur émulateur, là. Ah, je sais pas du tout. Je vois souvent des mecs qui ont un logiciel MobiZen ou un truc comme MobiZer ou je sais plus quoi. Alors, je suis sur iOS et Android. J'ai un compte iOS et un compte Android pour Clash Royale. Salut Clacla Mimosa, bienvenue sur le live. N'hésite pas à t'abonner au passage. Hein. Et donc, le bûcheron qui a fait un taf. Là, c'est sur Android, c'est sur l'émulateur Android du PC. Mais après, ce que tu peux faire aussi, c'est Android. Mais après, ce que tu peux faire, tu peux trouver des émulateurs en iOS. Il y en a un qui est hyper connu, ça s'appelle Xpadian ou Xpadder, je sais plus. Et c'est un émulateur Apple. Donc tu peux relier ton compte Apple de que tu as déjà sur l'émulateur qui simule un iPad en fait. Et après, tu pourras live avec. Bien joué David. Oh bah, on arrive trop tard. Tu veux quoi en barre d'infos? Le logiciel? Quoi, je vais te le chercher vite fait sur internet, mais je vais le balancer dans le chat directement dès que je le trouve. Alors, attends, il me semble que c'est Xpadder, il me semble que c'est ça. Hein. Non, c'est pas Xpadder.
X-Spider, c'est pour simuler une manette. Ça doit être X-Padian. Non, c'est peut-être Ipadian. Attends, je dis peut-être des conneries depuis tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Ipadian. C'est Ipadian. Ouais, je te l'ai envoyé. Est-ce que la vidéo qu'on fait, on peut la mettre sur YouTube après? Ouais, bien sûr. Tu veux même faire des lives, hein? Tu peux absolument me faire des lives. Là, actuellement, moi, je suis avec un autre logiciel qui s'appelle OBS. Et le fait, le OBS, il filme ton écran. Donc là, en fait, je filme avec OBS, je filme l'émulateur. Oula, alors attends, on a un logbait. Un logbait de la part de Ali. Entre Camus qui a un méga chevalier. Normalement, le méga chevalier il prend un peu le dessus quand même. Légèrement. Oh, bien joué l'armée de squelettes. Là, c'est flèche. Ok, il a pas les flèches, ça a gratté. Ah bah, c'est sûr, hein. Par contre, la princesse, elle va aller faire un de ses tafs. Mais là, la princesse, il faut la garder contre son armée de squelettes. Ah, c'est con, pourquoi j'ai une image de Destiny, moi? Attends. Il y a une image de Destiny dans... Ah, on y fait miniature. C'est pas de miniature Clash Royale, fait chier. C'est payant? Comment ça c'est payant? Je t'ai envoyé un lien payant? Non, il y a écrit télécharger gratuitement. Je l'ai devant les yeux, il est écrit télécharger gratuitement. Salut Fessé! Fessé Bug, je vais t'appeler Fessé, toi tu me fais rigoler avec ton nom. Facebug. Allez Lorena, on va regarder Lorena. Par contre, le problème c'est que du coup j'ai une miniature Destiny, ça fait chier ça. J'ai pas de miniature. J'en piquerai une vite fait sur internet, tu vas voir. Hop. Merde. Vite, vite, vite. Elles sont horribles, elles sont horribles. Allez, on va prendre celle-là. Maintenant, change de miniature. Après, ça te fait payer. Attends, tu sais quoi, je vais essayer de le faire en même temps que toi, comme ça au moins on va voir. Alors juste avant, vite fait. Merci pour les abonnés, hein. Ceux qui s'abonnent, ça fait plaisir, merci.
Ça me met encore ça. Pourquoi? On revient sur le pigeon en direct. C'est de là pourtant. Bien joué David. N'hésitez pas à vous abonner hein. Je voudrais regarder quelqu'un qu'on n'a pas regardé encore, tiens. Un petit prénom illisible, on kiffe. Alors, on va essayer de télécharger Hypadian pour voir. Écrit téléchargement gratuit. Ok. Download for Windows. Salut Xatios du 50, bien et toi? Ah oui, t'as raison, c'est payant. T'as raison, c'est payant. Salut Matt. Ah ouais. Bah tu vois comme quoi, hein, y a un début à tout. Faut bien qu'un jour quelqu'un sache écrire son pseudo. Franchement c'est pas dur Xatios. C'est pas dur du tout à lire. En plus t'as écrit pseudo. Normalement c'est pseudo. Sinon ce que tu fais Théo, tu regardes sur YouTube des tutos émulateur iOS. Parce qu'il y a peut-être des hacks pour l'avoir. Ça serait peut-être plus simple pour toi. Ok, encore une victoire. Hein. Par contre son nom moi je le lirai pas, hein. Là je sais pas c'est écrit quoi. Hein. Si vous savez dites-moi mais là clairement pour moi c'est pas possible. En plus il est dans un clan français apparemment. Donc David il roule sur tout le monde là. Hein. David il roule sur tout le monde. Hein. En fait, David, il a un bon deck, mais par contre, ouais, non, même contre Zabed, j'allais dire, non, ça passe, ça passe. Ça passe, hein. J'ai quel âge? J'ai 21 ans. Dis-moi, t'as quel âge, toi, pour savoir à peu près le public que j'ai? Juste comme ça, par curiosité, hein. Quatorze, ok. Ça va, de toute façon, je veux dire... maintenant, sur YouTube, il y a beaucoup plus de gens de ton âge. Il y a de moins en moins de gens... La plupart de YouTube, c'est entre du. Allez, je dirais entre du 13 et 17, quoi. C'est le plus. Ce qu'il y a le plus sur YouTube. Ah, ça fout tellement le seum de se faire avoir par un zap.
quoi, David il est reparti derrière. On va regarder la game d'Ali. Ah ouais, non mais Ali il joue le zap bait. Ali joue zap bait donc du coup. Ah, en face il y a la tour à bombe, hein. Ça va le faire chier ça. La tour à bombe c'est super fort contre zap bait, hein. C'est super fort la tour à bombe. Est-ce que ça vous intéresserait après que je relance un autre tournoi? Étant donné que celui-là il a commencé un peu tard, il va finir vers 21h10, 15. Je peux en relancer un dans la foulée. Vous êtes tous me dit oui déjà. Attends, est-ce que ton nom c'est Xatios ou Atios? Parce qu'il y a XX, donc je suis ton seul public. Non, non, on est. Il y a 4, il y a 6 personnes sur le live là. Atios, ok, c'est bien Atios alors. Il va l'avoir à l'usure, hein. Lila, il va l'avoir à l'usure. Ouais, là, c'était Rocket, c'était sûr, elle va être super value en plus. Ah, dommage, il est mal placé, il a loupé deux barbares. Là, c'est la TDE, dommage. Ah ouais. Il va prendre super cher. Heureusement que le... Ouais. Il a quand même bien défendu, hein. Il a bien défendu, hein. Mais là, il est foutu. Faut qu'il balance sa roquette. Ah, c'est mort. C'est mort. Dommage. T'es à Rain 8. C'est bien déjà à Rain 8. Sur ce compte-là, je crois que je suis à Rain 8 aussi. Je vais checker vite fait. Non, même pas, je suis à Rain 9. Ça va, Rain 9. Alors, PSDXD, nous joue un... Ok, PK Cochon. C'est rare, hein. Contre Fusilier Héros, qui lui par contre joue un deck méta, hein. Enfin, l'ancienne méta. Quand tu vois le... Il s'appelle le Bélier, et qui a la voleuse dans le même deck avec le poison et le PK, c'est un ancien deck, ça. Par contre, le PK va faire super mal. Non, ça va, il l'a détourné, mais bon. Ah, c'est un deck PK contre PK, bah oui. C'est un... Ouais. Là, du coup, c'est pas le même match-up. Hein. Barbardier de Golem de Glace. Bah, c'est bien en fait ce deck-là, mais. Il faut que t'aies. Faut que t'aies des sorts à côté. Hein. Barbardier, moi je les joue plus. J'aime plus les jouer. Je les ai beaucoup joués parce que c'était super fort. Et quand ils se sont fait nerf, c'était plus la peine. C'était plus la peine. Ils ont quand même eu un sacré nerf, hein. Les barbares d'élite. C'est dommage. En même temps, c'était l'une des meilleures cartes, hein. Faut dire ce qui est. Ah, le foudre sur le blé de combat, c'est quand même vachement destructeur. Hein. Il va perdre son PK, c'est dommage. Moi, je joue que sur ce compte-là, je joue que un lockbait. Bah, le lockbait est hyper connu. Et sur mon autre compte, je joue une variante en fait. C'est un lockbait mais avec cimetière. C'est une création de moi-même, mais bon. Voilà quoi. Allez là, faut défendre mieux que ça là, ça va passer. Ah, le poisson était de trop, je pense, le poison là.
C'est du forcing. C'est du forcing. N'hésitez pas à vous abonner les gars au passage, hein. Je fais pas que du Clash Royale, il y a aussi du Destiny, il y a beaucoup de custom zombies. Du Clash Royale, hein, il y en aura assez souvent maintenant. Il y a eu une période où il y en a peu du tout, là je reprends donc tranquille. Mais il va y en avoir, hein, pas de problème. Je peux créer des tournois pour l'instant donc pas de problème. Alors, retourner regarder Ali parce que lui avec son lockbait ça m'intéresse quand même de regarder. Ah bah il joue contre le méga chevalier. Salut Nabil, bienvenue sur le live. En fait j'avais déjà une chaîne YouTube avant, pour répondre à Athios. J'avais déjà une chaîne YouTube avant, quand je jouais à Call of. Et j'avais 160 abonnés il me semble. Et du coup en fait la chaîne après elle a été laissée à l'abandon. Donc j'ai repris YouTube, là je l'ai repris, récemment. En gros vraiment il y a un mois. Avec beaucoup de custom zombies. Vraiment quasiment que du custom zombie. Après quand j'ai eu Destiny, donc j'ai mis aussi du Destiny. Et donc là je mets du Clash Royale au passage. Du Clash Royale il y en aura beaucoup plus souvent que ce qu'il y a là. Pour l'instant c'est que mon deuxième live Clash Royale mais va y en avoir souvent, je pense. Ah la bûche ça servait à rien là. Ouais, du coup ça va te manger un fût. C'est un combo destructeur ça. C'est vraiment un combo de malade. Hein. Le chevalier avec le fût à gobelin, c'est vraiment tout de fou. Ah là par contre il est foutu. Il va se le manger son... sa tour les... voilà. C'était clair et net. Bien joué quand même, hein. Alors, regardez les joueurs qu'on n'a pas regardé pour l'instant. Alors, tu connais Castle Crush? Bien sûr, je connais Castle Crush. Je joue au Castle Crush d'ailleurs. Bon, je joue très très peu, hein, parce que j'ai du mal. J'aime pas trop. Enfin, j'aime bien, mais sans... Comment... Je sais pas comment expliquer. J'aime bien sans aimer. C'est-à-dire que je l'aime bien, mais j'arrive pas à le tryhard parce que c'est pas un jeu qui me prend vraiment. Ça va bien et toi, Nabil? Sur Castle Crush, en fait, je joue uniquement sur sur téléphone. Je vais te dire où j'en suis. Bah, Castle Crush, moi je trouve pas ça assez dur. Franchement, j'ai pas fait beaucoup de défaites. Voilà, j'ai 699 trophées. Je suis niveau 4, donc vraiment, je joue pas quoi. Je joue vraiment trop peu. Alors, tiens, Firas, on a jamais regardé Firas. Oula, un Arc-X en face de Firas. Par contre, mettre l'Arc-X du côté de la tour qui est déjà tombée, c'est vraiment con, hein. On va pas se mentir. Ah, t'as Arène 2, mais toi tu joues peut-être pas assez, ou tu joues pas souvent, ou tu peut-être que le jeu te convient pas, hein. C'est peut-être que t'as du mal, tout simplement. Firas qui a... Waouh, ouais. Complètement poutré Ali. Ali qui aurait dû rester sur son lockbait, hein, clairement. Un nom qu'on n'a pas regardé. Smart Boy, on n'a pas regardé Smart Boy. Alors, c'est un deck ballon gel contre un deck, le deck de tout à l'heure en fait, deck méta. Là, en fait, il a pas des cartes. Ah, un gel défensif, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je pense qu'il va, il va perdre la... Non, tranquille alors. C'est passé tranquillement.
Alors, on va regarder Luffy, tiens. Ah bah on n'a pas eu le temps de regarder Luffy, tant pis. Tiens, on va regarder une game qui commence. Fusiliero. Ah mais c'est le joueur. C'est le joueur bélier de combat BK, ça, il me semble. J'ai juste checké vite fait. Ok. Dites-moi aussi, parce qu'en fait je suis actuellement aussi sur Twitch, hein. Vous êtes en double live Twitch et YouTube. Dites-moi sur Twitch et sur YouTube si vous souhaitez qu'après je refasse un tournoi, si vous voulez participer ou pas. Pour l'instant, à part Ratios, personne ne m'a répondu. Vous êtes quand même 8 sur le live, donc si quelqu'un pouvait répondre, à part Ratios, parce que Ratios, je sais qu'il est... Lui, il est à fin de tournoi là. Il est chaud. Ça serait limite, ouais, bah après le problème c'est que celui-là il va finir à 21h10 du coup. Ce qui ferait le tournoi, si je le relance même dans la foulée, il se finirait à 22h10, même plus le temps que les gens rejoignent. Donc ouais. Tu veux t'abonner à ma chaîne, je te rends direct. Bah écoute, Velutini Sacha, je vais regarder ta chaîne. S'il y a du contenu et que c'est intéressant, je m'abonne sans problème. Alors, chaîne pour des fans de jeux et de défis. Bah, le problème, c'est que t'as. Ah, d'accord, ok, attends pour moi. Bon, je vois que t'as quelqu'un qui. Tu débutes, hein, tout simplement. J'ai du mal à comprendre qu'on sait que t'as 26 abonnés. La vache. Donc, tu fais des vidéos FIFA depuis ton téléphone. Bah, écoute, pour t'aider. Je m'abonne à ta chaîne. Ouais, ok Nabil, bah c'est pas grave, de toute façon au pire repasse demain, j'en ferai un demain, y'a pas de problème. Si tout va bien, j'en refais un demain. Et si ça marche bien, ça durera tous les jours à la même heure, environ à 20h tous les jours. Et si je vois que ça marche vraiment bien, je mettrai plus des tournois à 100 gemmes, mais des tournois à 500. Et si ça continue à fonctionner très très bien, voilà, ainsi de suite, t'as compris quoi. Si un jour je dois claquer 2000 gemmes pour un tournoi, tu vois. Et moi, il n'y a rien, tu hab. J'ai pas compris. Ta chaîne, il n'y a pas de contenu. C'est ça que tu voulais me dire, j'ai pas compris, mais. Tiens, DC9, on n'a pas regardé. Bah, trop tard. Bah, tu veux pas de vidéo? Ça sert à rien que je m'abonne, Xatios. Allez, un joueur qu'on n'a pas regardé encore. Oula, il y a un deck en bas, je l'ai jamais vu. Et ça a l'air de passer, hein. Ça a l'air de passer pour l'instant. Mais par contre, je comprends même pas je comprends pas le deck en fait. Je sais pas comment il peut jouer ça. Déjà personnellement moi j'ai horreur du géant squelette. Je suis déjà abonné Velutini. Hein. Je pense que je me suis même abonné avant que tu t'abonnes toi. Je fais plus de combat. Ça veut dire quoi, tu veux que je fasse une game?
Allez, pas de problème, je vais faire une petite game. La prochaine, allez. Hop, bah là on a compris qu'il y avait 3 étoiles, hein. Ça serait dommage. Ah, la tristesse, il reste 21 PV. Ah mais moi là je vais jouer en même temps que je commente, hein. Ça va pas être du high level, je préfère prévenir. En plus c'est sur le compte... J'ai plus de place pour le jeu. J'ai pas compris de quoi tu me parlais. Ça c'est un deck que j'ai copié. Franchement il est incroyable. J'ai pas essayé moi-même mais je l'ai vu jouer, c'est un truc de fou. Je vais prendre ce deck là. Ouais. Je vais prendre celui-là. On va essayer de prouver le talent. Hein. Je suis quand même 23ème sans avoir joué. Hein. Pas pour vous dire, les gars. Salut de la salle gaming. Bienvenue sur le live. Hein. N'hésite pas à t'abonner. Alors. Je me suis trompé de carte, c'est pas grave. Ça va être tendu cette game, je le sens. Même plus, je crois que je me suis trompé de deck. Mets ça dans le fond. Hop. Alors mon clan, c'est l'Empire 83. J'ai pas vu... Ah, il a la boule de feu. Ça, c'est une bonne nouvelle. Du coup, je vais pouvoir balancer un petit truc ici. Voilà. On va mettre un zap. On a bien gratté, là. On a bien gratté. Je me suis trompé de deck. Je suis dégoûté. De la salle gaming, je te l'écris juste après, y a pas de problème. Je vais te le montrer si tu veux. Je m'attends à un cochon là. Je m'attends à un cochon. On va mettre les archers en fond de cours pour cycler. C'est l'Empire 83. Hop. La boule de feu, c'était sûr. Il gratte bien, hein, le salopard, hein. Donc les jeux ça boule de feu déjà, donc ça peut... C'est avantageux pour moi. Ah, je vais me faire un meilleur combo vu que les jeux ça boule de feu maintenant. Il va pas s'attendre à ça. Hop. Faut pas que ça ça me shoot tous mes... Voilà. Il a le zap. Ok. Il a pré-shot je ne sais quoi. Il a pris la tour, hein, bah ouais, c'est facile en même temps. Hop. Ah, la tour, elle tombe. La tour, elle tombe pas. Ça fait chier. C'est tendu, les gars! Je vais te zapper, hein. Je vais te zapper à la dernière seconde, c'est pas grave. On va tenter le tout pour le tout là-dessus. La boule de feu, non, les boules de feu pas. On va zapper tout ça. On va mettre les archers derrière. On va tenter, on va essayer de faire ça. Hop là. Ensuite, on va nous faire le petit combo. Mineur fût de gobelin. On va même mettre appuyé avec les petits gobelins ici. Il boule de feu. Normalement, il a plus rien là. Il a un deck qui cycle vachement vite quand même, lui, hein. Hop. Cochon, c'était sûr.
ici. On va pas défendre plus. Par contre, on va appuyer comme un bâtard là-bas. C'est parti. Normalement, ça passe là. Là, je m'attends à son armée de squelettes de merde. Non, ok. On va continuer à jouer tranquille. Hein. Ah, son cochon, il passe. Ouh. Ah, et la boule de feu! J'aime pas me faire finir avec un sort. Je suis dégoûté là, vas-y, je vais prendre un autre deck. Ah, c'est celui-là que je voulais prendre, putain. Non, j'ai passé au niveau 9. Hop. Mais en vrai, il est qu'au niveau 6. Vas-y, je m'en fous, je la recommence. A plus, à plus, adios. Mais non, après j'arrête d'un replay moi. Je vais retenter une. Allez, on va lancer un flux explorateur. Oh là là, quelle horreur, j'ai un squelette. On va mettre ça ici. Voilà. Maintenant on va pouvoir mettre ça là et direct le feu à gobelin. Voilà, c'est très bien, ça va gratter. En plus là, la biatch là, comment ça s'appelle, la voleuse, on va la défoncer. Ça, on va la gérer avec des archers. Tranquillement. Chasser de glace. Non, trop tard. On va lui mettre le gang. Oh là 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 là. Pff, quelle horreur. Oula là là, reviens derrière, reviens derrière, voilà. Ça, on met ça là-bas. On l'appuie avec l'esprit de gel. L'esprit de glace, pardon. Ça va faire un peu le taf. Ah, là, quand j'ai mon deck en main, c'est pas la même chose, là. Je me sens mieux. Juste... Oh là là. Je savais pas quoi faire, là. J'ai parlé trop vite. Je vais défendre à côté, sinon c'est foutu. On va rocket fuel l'autre côté. Hop. Là ça fait une tour en moins. Ça on va la tirer ici. Hop. Hop, ça ici. Oh là là, j'ai pas vu qu'il avait sauté aussi vite lui. Oh là là, je me suis fait détruire. J'arrête de jouer, je vais regarder les games, c'est plus simple. Mon dieu, en plus qu'est-ce que c'est dur sur l'émulateur. Monsieur excuse. Voilà, il y a un lockbait en face, on va regarder jouer, c'est plus simple. C'est plus appréciable. Contre un deck golem, normalement le deck golem il devrait prendre le dessus quand même. Oula, il a abandonné le fil. Il s'est pris un bûcheron clonage. Oh, c'est fini hein. Alors, une autre game peut-être, Firas, vraiment Firas. Thank you.
Géant, méga chevalier, voleuse. C'est de l'inconnu, ça, en tout cas. Waouh. En tout cas, il y a deux méga chevaliers. Vous avez eu de la chance, hein. Moi, je l'ai pas eu, le méga chevalier, hein. Clairement. Je l'ai pas eu du tout. La sorcière, elle est horrible contre le... Contre le dragon de l'enfer, elle est trop puissante. Avec ses squelettes, elle les tourne, et puis voilà quoi, c'est trop facile. Je suis en squelette, faut faire quelque chose. Ah, bien joué. Faut mettre autre chose. Faut mettre autre chose. Ouh, ça sort la tour, c'est mort. Ça va prendre ta tour, ça, hein. Clairement, hein. Ça prend la tour, hein. Ouais, mais la bombe, elle va péter. Ah oui. Ah, t'es de retour de la salle, bah t'étais parti où? Faut rester ici, hein. Abonnez-vous, le geeker de 62. Eh bah dis donc, le géant squelette aura vraiment pris le dessus sur le géant. Hein. C'est waouh. Alors, regardons. On a déjà vu. Ah, Playson, on a jamais regardé une game de Playson. Playson qui joue PK, l'armée de squelettes, le zap. Salut le geeker. Ouais, je regardais pas la game là, je viens de voir ce qui se passe là. La voleuse, elle m'est chère là. Hein. Elle a pris la tour. Il a un deck trafiqué en bas là. Hein. C'est quoi ça? Il n'y a pas d'harmonie là-dedans. Ah, il a abandonné, je crois. Ah non, PK. Ouais, bon, ça a défendu le cochon, hein, pas de problème. Même en haut, hein, ça coûte cher aussi tout ce deck là, la vache. Je suis tellement habitué à jouer des decks rapides que quand je vois un deck cher, ça me fait flipper, moi. Je dis, ça passera jamais. Tu peux pas avoir une bonne réaction, tu sais. La tornade qui pour temporiser, hein, simplement. Il a quand même mis un coup, le cochon. Oula, le pêche, bélier de combat, cochon, sorcier et la voleuse là. Ça t'est vachement bien défendu par le PK et la Valkyrie. Ça a fait un taf monstrueux. Ça a fait un taf monstrueux. Thank you.
Faut être ingénieux pour mettre une armée de squelettes sur un sorcier quand même. Oh là là, ça va lui coûter cher cette erreur. Oh là là, ça lui coûte très très cher hein. Le fût défensif, bon. Et, oh putain, le fût défensif qui a fait quand même un petit taf hein. J'aurais pas cru. J'aurais pas cru du tout. Ouais, la foudre pour finir, ça c'est... Plus en plus, de toute façon, c'est des sorts qui finissent. Hein. La méta, elle est horrible, là. C'est une méta défense... Tu défends et t'envoies des... Des sorts et t'es content, quoi. C'est dégueulasse. Alors, des golems. Golem, bûcheron, sorcière, clonage. Cochon. Oh, l'harmonie, elle est pas présente non plus, là. Par contre, en bas, il a un petit deck structuré, je trouve, là. Il est pas mal, son deck, en bas. Qu'est-ce qu'il a en dernière carte? Franchement, je sais pas. Ça serait peut-être... les archers. Non, bah non, ils auraient déjà sorti, sinon. Peut-être un fût. Un cimetière. En fait, ça pourrait être tout n'importe quoi, en fait. Ah, golem contre golem. Enfin, par contre, faut défendre. Ouh, dragon de l'enfer, c'est vraiment une bonne idée. Par contre, la carte là. En haut, en haut à droite, ça prend la tour. En bas, je pense, ça va se faire trois couronnes. Hein. Ah, ouais, il a bien défendu. Par contre, là, le cochon, il faut l'arrêter. Il faut arrêter le cochon. Oh la voleuse qui. Oh là là. Ouais, en haut, ça va prendre le 3 couronnes. Hein. Ça va... Ouh là là, et il joue super bien, Danutrans, là. Il avait mal démarré, là, mais waouh. Vite, le cochon, faut le gérer. Ouh. Ouh là 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 là. Ouf. Ah, il doit avoir mal au cul. Hein. Monsieur Rager, là. Super la game. D'autres personnes, s'il vous plaît. Personne joue ou quoi, les gars, là? C'est un JPA. Ah, il joue plus. Allez, on va regarder DC9. Oh, la game est déjà bien entamée, quand même. Hein. Bon, les gars, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un gros pouce bleu sur le live, là. Ça ferait plaisir. Et surtout que, voilà, vous pourrez voir aussi les prochaines vidéos. Il n'y a pas uniquement que du Clash Royale, j'en fais beaucoup. Enfin, je vais, en fait, je reprends Clash Royale, du coup, je vais en faire beaucoup. Et je fais aussi du Destiny. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait un live Destiny avant de faire le live Clash Royale. Il y aura aussi du Custom Zombie. Ceux qui kiffent Black Ops 3, Custom Zombie, j'en fais à masse. Ça fait un moment que je n'en ai pas fait parce que je trouve pas de bonne map intéressante à proposer. Mais j'en fais à balle, il n'y a pas de problème. Donc voilà, abonnez-vous, n'hésitez pas. Il y a toujours du bon contenu. Même pour ceux qui n'aiment pas le custom et qui n'aiment pas Destiny, vous pourrez voir, vous pourrez apprécier la vidéo. Parce que vraiment, voilà, il n'y a pas que de la vie, il n'y a pas que du gameplay, quoi. Voilà, le cochon qui est passé, hein, logique. Le cochon, c'est une carte vraiment super forte. Hein. Le tournoi est bientôt fini. Ouh putain, c'est arrivé un peu vite là. On n'a pas eu le temps de s'installer dans le live dans la partie que c'était déjà fini. Ah là à mon avis, ça se bat là pour la première place là, c'est pas mal. On aime bien voir ça. D'autres battles ou non? Allez, Playson tiens. Regardons Playson qui est en train de malmener Ali là. Oh, le zap était utile, ouais, faut dire ce qu'il est. Faut détourner le PK, il va mettre un coup là. Hein. Oh, il met deux coups! Il met deux coups! Oh là là!
Ah, c'est dommage. C'est dommage. Là, c'est dommage, hein. Se prendre deux coups de P.K., ça fait vraiment mal. Après, faut dire, Ali en face n'est que niveau 8. Il a pas de carte maxée, ce que j'ai vu. Ah bah là, il a abandonné. Il a clairement abandonné, il peut rien faire. Ouais, il a essayé de mettre sa horde de gargouille, mais ça servait à rien. À rien du tout. Je vais être un oeil sur Twitch, au cas où. Non, ok. Allez, monsieur Rager qui nous a une autre combat, une autre battle. Contre Zeyan, qu'on n'a pas regardé jouer du tout. Là, ça fait un nouveau. Oula, ça tente un pré-show de poison. Oh là là, le cochon qui fait un travail. Oh! Cochon poison, là, il a fait le travail. Ah, par contre, là, le counter-pêche, il va faire mal. Là, s'il a un sort, monsieur Rager, il fera. Non, ça va faire trop mal. Ça va faire. Oula, le zap qui sert à rien. La voleuse qui a one-shot le. Oh là 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 là, le clonage! Oh mon dieu, le clonage! Oh, quelle horreur! Regardez-moi ça! Il l'a éclaté! Oh mon dieu! Je vais le revoir jouer, monsieur Rager, pour voir si c'est de la chance ou pas, ça. Elle a eu la bonne main, hein. Il est où, monsieur Rager? Tiens, on va rester là. Attends qu'il trouve un autre combat, on va le regarder. Allez, trouve un combat, monsieur Rager, là. Ah, contre Camuse. Parfait, ça. Le deuxième contre le cinquième. Allez, je viens de voir si monsieur Rager aura autant de chance. Ok, ça pompe. Il commence avec un golem, bon. Pour une ouverture de game, par contre, un golem, c'est pas conseillé du tout, hein. Non, là, si le gars en face avait quoi que ce soit pour le contrer, ben, je veux dire, un ballon comme ça ou quoi, ça serait passé, hein. Faire gaffe à ça. Oh, il entame le même combo. Ah, par contre, voleuse de l'autre côté. Ah, c'est parce que Baby Dragon, du coup, il va tuer son clonage. Non, ça passerait pas pareil, là. Il y a des dégâts de zone. Il y a du dégât de zone. Le golem qui a quand même bien tapé, hein. Putain. Juste le golem est descendu. Tu veux mettre le trophée à 1900. Alors je suis pas du tout chef du clan, hein. Après je peux faire la demande. Je peux faire la demande si tu veux, y a pas de problème. Ouais, c'est passé pour lui. Logique. Ah, il reste 51 secondes d'autres batailles. Ah, monsieur Rager, il a relancé direct. Il va passer devant tout le monde. Alors, je vais faire la demande sur le clan, hein. Pas de problème de la salle gaming. Allez, monsieur Rager, il va nous faire un petit. Il va nous recommencer son petit combo, hein. Oh, le cochon derrière, il est protégé. Il va faire mal. Il va faire mal. Bah, ça va prendre la tour, hein, simplement. Hein. Oh là là, 3 PV. Est-ce qu'il va le faire tourner ou pas? Allez, fais-nous plaisir là. Allez, fais-nous durer le suspense. Il n'y aura pas de suspense, hein, mais bon. Sans vu que de la bûche. Hein. Voilà. Et donc le tournoi normalement est terminé. Tournoi terminé, il reste des games, on va les regarder. Ouh, un lockbait version miroir. Pff,
Oh la value de la roquette! Magnifique! Faut le détourner, faut le détourner, faut le détourner! C'est trop tard. Tu perds ta tour, frérot. Tu perds ta tour. C'est dommage. Il a plus qu'à défendre, hein. HK. Ouh, double mineur. Et donc ça c'est double mineur, double mineur clonage. Ça c'était du gâchis, hein. Complètement. La roquette. Ah ouais, mais il faut autre chose, mon pote, hein. Ça marchera pas, ça. Oh là là, le push. C'est foutu pour JPA, hein. Clairement là, c'est foutu. Voilà, voilà, le tournoi est terminé. De la salle gaming, les membres du clan sont pas actifs là. Je suis désolé, je peux pas, on peut pas descendre les trophées. Demain, je refais un live Clash Royale. Repasse, de toute façon, il y aura pas de, y a pas de souci. Hein. Je vais faire en sorte que tu rentres dans le clan, pas de problème. Mais personne. Donc c'est pas la peine. Alors, Zeyan qui est en train de complètement poutrer. Je peux t'inviter? Non, je peux pas inviter parce que je suis que aîné. En plus, t'es dans quel clan? Vas-y, montre-moi. Je peux pas inviter. Allez, Zayan qui va passer là. Il va gratter à mon avis, hein. Il va gratter. Ah, il va continuer à gratter jusqu'au bout. Hein. En plus là c'est la dernière game je pense là, tout le monde les regarde. Les 10 sur leur combat là. Ouais voilà, ça va se finir en grattage poison, c'est dommage. C'est dommage. Mais bon c'est logique hein, d'un côté. Oh le cochon à gauche là. Non c'est bon, ça passera pas. Voilà. Sa victoire est donc le premier, donc, le gagnant du tournoi. On va voir ça tout de suite. Et c'est HK, bah bien joué HK, on va juste regarder son profil. Un joueur à 3011 de record, de trophée. Donc c'est pas énorme, hein. Il y avait des meilleurs joueurs. Hein. Donc comme quoi, le, voilà, niveau pas tout. Après voilà, il a un bon deck. Il a joué ça, moi je trouve que c'est assez incroyable comme deck. Hein. Voilà, GG à lui. Donc t'as rien gagné à part le tournoi. Hein. Du coup, bah, bien joué à toi. Je vais juste regarder ton clan. Alors. Ok, donc c'est un clan bah, arabe. Enfin, iranien plutôt, pardon. Salut Ewen. Alors. Ok, on va regarder du coup. Ok. On va regarder ton clan. On va regarder ton clan. Alors, tu m'as dit CRV 974. 974, pas 874. CRV. Ah. Un clan français. Voilà, de la salle. On voit ton profil ici. On te fait de la pub, t'as vu. Alors, t'as un deck qui coûte super cher. Hein. Par contre, 4.4, c'est waouh. C'est cher. Hein. On peut affronter des joueurs comme ça ou pas? On peut pas. Hein. Dommage. C'est bien dommage. Vous savez quoi, je vais ouvrir les coffres. Au passage, hein. Coffre de clan. Peut-être une légendaire, pourquoi pas. Non. Ouais, c'était sûr, il manquait trop de cartes. Tu vas peut-être pouvoir rejoindre de la salle. C'est bon, il a descendu, tu peux rejoindre.
Gangster du 9-3, du 8-3. Alors, gangster. Comment t'as écrit ça? Du 8-3, hop. C'est grotte, ton clan. Tu m'as dit quoi? C'est mini, mini-grotte. Alors, c'est pas grotte, c'est mini-grotte. Alors, ton profil, voyons voir. 3083 en record, c'est pas mal ça. Un cochon rapide. Ouais, c'est un bon deck, hein. C'est clairement un bon deck, hein. Ah, j'ai vu de la salle a été acceptée. Bienvenue dans le clan, du coup, hein. Bienvenue dans le clan de la salle, hein. Cochon rapide, c'est efficace quand même. Bienvenue de la salle, hein. Sur ce compte-là, je demande de la TDE. Je kiffe la TDE, c'est trop fort. Et de la salle, ça te tente pas une game contre moi pour tester un peu? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, tu m'étonnes, ton deck doit gérer le PK comme Jaja. Alors, genre, le deck que t'avais, je me rappelle déjà plus, c'est dingue ça. Alors. Non, t'étais dans les 3000, il me semble. Voilà. Alors, je vais pas prendre sur ce compte-là, je vais prendre sur votre compte. De la salle, ça t'intéresse de faire une petite game contre moi? Tu sais que je suis pas fan du canon, hein. Je suis pas fan du canon du tout, moi, de base. Pourquoi moi je suis à 2.6, toi t'es à 2.8? Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai pas oublié de changer une carte. Ah, le gang. Oui. Voilà. Tournoi Dark Lucia. Qu'est-ce qu'il raconte? Il y a un tournoi qu'il a lancé. Avec mot de passe. Ah, dis-moi c'est quoi le mot de passe et je rejoins ton truc, hein. Y a pas de problème. Mario Luigi. Mario Luigi, faut que tu donnes ton mot de passe par contre, il n'y a pas de... C'est pas possible. Alors, je joue sur le téléphone du coup parce que sur l'ordi j'ai trop du mal.
J'ai pris ton deck, hein. Tu verras, j'ai pris ton deck. Bah, trop de gens, mais si tu veux comme ça, ce sera plus de gens dans ton. Dans ton tournoi, Mario Luigi. Oh là, regarde pas le combat. Oula, 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 oula. Du coup, on va combo. On va pré-shot avec la boule de feu, pourquoi pas. Let's go! Pas mal, et franchement, ton deck Ewen, il est très bien. Hein. J'ai déjà vu de toute façon cochon rapide, c'est puissant, c'est clair. Ok, on va devoir rejouer ça. Tu vas regel, mon poteau? Eh oui, c'était sûr. Hop là. Ah, de la salle là, ton poison était un peu de trop. Voilà. Moi, la prochaine fois, tu le sauras. Hop là. Mille gemmes. Mille gemmes, c'est rush hein, quand même. Toi, tu peux les créer comme ça. Bon, ce que je vais faire. Tu vas re-cimetière, je suppose. Oula. C'est un roquette. Ouais, c'est logique, hein, tu vas prendre la tour. Du coup, vu que t'as plus d'élixir, moi, je vais te tenter un cochon avec les chauves-souris. Tu me le gèles, ok. Oula, la foudre, non. Non, 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 ça coûte trop cher. Ça, pour protéger un mousquetaire. Ah, trop tard, dommage. La mousquetaire ici. Cochon là-haut. Les chauves-souris ici. L'esprit de gel. On va tout balancer, hein. Tout balancer. Ah, j'ai peut-être été un peu trop gourmand vu qu'il a les poisons, c'est vrai. On va mettre un cochon. Voilà, ça a passé. Et c'est la win. Bien joué de la salle. Tu t'as quand même pris une tour, hein. T'as quand même pris une tour, bien joué. Donc alors, d'après Mario Luigi, il m'a envoyé un mot de passe en privé. J'ai regardé ça vite fait. Merde. Attends, de la salle, je prends juste un autre deck. Allez, moi aussi j'ai changé de carte, c'est parti. Là, je suis plus à l'aise avec ce deck-là. Hop. Ouh la barbe d'élite, moi j'aime pas du tout ça. C'est un très bon contre à mon deck barbe d'élite, hein, clairement. Ok, tu joues géant, pas de problème. J'ai de quoi te faire chier, dommage. Je suis désolé, hein, mais j'ai la TDE, poteau. Oh, le zapi, par contre, ça pourrait m'ennuyer. Clairement. On va juste temporiser le zapi. Ah là là, le sorcier. Ah non, le zap, c'est dommage par contre. Vu qu'il prend pas la princesse,
Tu joues cochon ou Zapbait? Ouais, bah en fait, je suis pareil que Tom. En fait, je joue quasiment que Zapbait. Allez, de la salle. Ok. On va temporiser du coup. Ouh là là, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Là, on va mettre la princesse. Devant, on remet ça. Et on se prépare pour un petit push intéressant. Cimetière. Avec le poison. Au cas où si tu nous mets ta petite horde de gargouille là. Et normalement ça prend la tour hein. Parfait ça. Alors Mathieu, again, ouais ça va bien et toi? J'ai vu que tu m'as parlé de ton. T'as créé un clan. Bon moi je peux pas rejoindre ton clan parce que actuellement je suis dans un clan où je suis. C'est une bande de potes, tu vois, donc personnellement je rejoindrai pas. Bien joué de la salle. Bien joué. Salut Willy Gamer. Alors. Bien joué de la salle. Salut Skizier Gaming, comment ça? Tu me connais même pas, tu me dis BG, mais t'es un ouf. C'est toi le BG. Alors, abonne-toi à moi, Cops Willy Gamer. Je fais gagner une carte cadeau tous les jours. Je sais pas si ça marche hein, de dire ça aux gens. Alors, apparemment, tu fais beaucoup de Clash Royale. C'est bon, je suis abonné à ta chaîne. Toutes les semaines, d'accord. Montre ton profil. Tu veux voir mon profil, celui-là, le principal ou celui qui est là actuellement? Celui-là, actuellement, je suis mauvais. Voilà, mon profil est pourri. Merci Skizer pour ton abonnement, ça fait plaisir, ça fait du bien de dire qu'il y a des gens qui soutiennent, tu vois. Ouais, là, 2679 trophées, actuellement 2697. Donc là, la bête classique, hein. Et donc, je vais vous montrer l'autre deck après, je suis que niveau 9 là-dessus. Donc, je vais vous montrer l'autre deck, l'autre profil, pardon. Voilà. Mon compte principal, celui-là. Donc, actuellement à 2464, avec un record à 2663. Et voilà, c'est mon deck. Donc celui-là, vraiment, je me suis inspiré du Zapbait, enfin du Lockbait plutôt, et j'ai fait ma modification avec le cimetière. Et comme je kiffe le cimetière, franchement, ça passe crème. Parce que de toute façon, si vous kiffez une carte, il faut la jouer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il faut la jouer, ça. Si vous kiffez jouer une carte, il faut que vous la mettiez dans un deck. T'as fui niveau 5, putain, vache. Je crois que j'ai fui niveau 5 aussi, mais je vais checker d'ailleurs. Alors... Ouais, j'ai fui niveau 5, mais il me faudrait niveau 6 sur ce compte-là. Parce que sinon, je suis pas à niveau. Par exemple, un zap de niveau 11, il me le fume. Un zap de niveau 11, il me le fume. Alors, est-ce que notre poteau, il a relancé un... Est-ce qu'il a relancé un truc? Dark Lucia, je crois que c'était. Ah, il est toujours là. Hein. Et pourquoi il a fait un truc comme ça pour juste pour gagner des cartes, quoi? Alors moi, pour tu voir mes cartes, écoute, en légendaire, je suis pas très bien servi. Hein. J'ai le cimetière, encore ça va, c'est une des cartes préférées.
Bon, après, voilà, sans cette glace, je joue pas. Et puis, je joue pas non plus. C'est voilà, c'est dommage. C'est bien dommage. Alors, je vais juste vite fait checker ici. Pardon, pardon. Il m'avait dit qu'il m'enverrait un message privé. J'ai rien reçu. Ou alors je les ai pas vus. Non, j'ai rien. Ah, j'ai mal à la gorge, hein, putain. T'as toutes les légendaires, bah putain. Moi, tu vois, sur mon compte principal, il me manque la Nightwitch, donc le sorcier de la nuit, et comment il s'appelle? Le méga chevalier. Il manque que ces deux-là. Bien sûr, je suis parti en Mario-Luigi, mais tu m'as rien envoyé, tu m'as pas envoyé le mot de passe. Je vais faire l'attaque en ligne juste après, mon pote. Ah, t'as eu un coffre légendaire? Bah, GG, hein. Franchement, moi, j'ai. Coffre légendaire, j'en ai eu qu'un seul. Je sais pas si le cycle est. Il est correct avec mon compte, mais. Qu'est-ce qui se passe de la salle? Il n'y a pas de problème. Alors Mario qui dit ça va se terminer, ça sert à rien. Bah pourquoi tu me dis de rejoindre alors si tu veux pas que je rejoigne? J'ai eu 0 coffre légendaire. Bah ouais, comme quoi, tu vois, il n'a qu'à pas autant de chance que toi, hein. T'as un problème? Je crée un à 2000C. Bah écoute, crée, donne-nous le mot de passe, hein, comme ça on rejoint tous. Ça te fera du public en plus. Je regarderai tes games, y'a pas de problème, hein. Hop, ça en donne. Un jour pour ouvrir le coffre dans le tournoi. Ah bah oui, ça c'est clair. Faut le gémir, hein. Faut le gémir, sinon ça prend trop de temps. Vous savez quoi, j'ai fait une game en ladder. Je vais prendre ce deck là parce que de toute façon c'est le deck que je gère le mieux sur l'ordi. Sur l'ordi j'ai vraiment du mal. À moins que je teste celui-là. Ouais, non, bah non. Le problème, c'est que dans celui-là, il manque la princesse, là, tu vois. Vas-y, c'est pas grave. Je vais tenter une game en ladder avec ça. On va y aller comme ça. Ça, c'était vraiment une mauvaise idée.
mais qu'est-ce qu'il nous fait lui? Il a perdu tellement d'élixir. Ah, il joue fournaise. C'est moche ça. La roquette sa fournaise, hein. C'est mort, on veut pas de ça nous. On va mettre ça juste pour après. Oh putain, la princesse. On va split les archers. Bon, déjà, on a mieux gratté que lui, hein. On a mieux gratté que lui. On va repartir sur un push direct. Voilà, on va le punir tout de suite. On va punir ça tout de suite. On va recharger pour la TDE. Ah, et du coup, il a plein de gargouilles. Ça fait chier, ça aussi. Allez, vite. Oh là là, il va me mettre cher. Il va me mettre cher. Ouais, je l'ai mal joué. Oh là 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 là, il a le clonage en plus, mais c'est quoi son deck, wesh, les gars? Oh là là, comment j'aime pas les decks comme ça, bizarre là. Putain, j'aime me faire défoncer. Salut William, bienvenue sur le live. On va partir sur ça, putain, il m'a tellement bien gratté. J'ai moins chargé, j'ai trop peur de me prendre l'autre pêche du turfu là. Hop, c'est parti. Mais non, pourquoi je joue de ce côté-là? La tour est déjà prise avec la roquette, putain. Je réfléchis pas, les gars. Oh. Hop. Vite, 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 faut que ça focus le... Oh putain, c'est pas possible. C'est foutu pour cette game, les gars. Complètement foutu. En même temps, le mec est niveau 10 en face. Qu'est-ce qu'il fout ici là? Ouais, c'est sûr que c'était mort. C'est sûr que c'était mort. Combien? Combien de quoi? Je vais faire une game sur téléphone. Parce que sinon vous allez voir, vous allez rien voir en plus là. Donc je vais faire peut-être quelques petites games au téléphone du coup. Alors, où je suis? Je suis ici. Je vais prendre quel deck? Je vais prendre celui-là. Je vais prendre le même deck, mais sauf qu'il y a la princesse, du coup. Vous allez voir, ça change tout. Hein. Hop. Du coup, princesse ici. Faut pas être pressé avec le deck, hein. Ça se joue tranquillement, voilà, c'est tout bénef pour moi le fait qu'il mette une boule de feu. On joue ça devant et on agresse direct. Putain, le gars en face il est niveau 12, j'avais même pas vu. Oh, niveau 12 le gars. Et son zap il m'a one shot mon... Oh là 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 là. Normalement je mets juste ça, ça devrait suffire pour détourner ça. Oh mon dieu les gars, il est niveau 12 en face. La bûche vite. Ça va, on a géré son push. Il veut nos boules de feu à chaque fois la princesse, c'est pas grave. On repart là-dessus. Il veut nous re-zap normalement. Ah, il a pas encore son zap, ok. On va gratter un peu plus du coup. Ah là, on gratte bien là, c'est parfait ça. Tardif, mais il est arrivé. Hein. Du coup, on va mettre ça. Oh mon dieu, mais quelles erreurs! Comment je peux faire des erreurs comme ça là?
Vite, 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 on va les ramener au milieu. Voilà, ça s'est fait gérer, c'est parfait. Mais du coup, j'ai plus la TDE. J'ai plus du tout la TDE pour son cochon là. C'est pas bon ça. On va reculer ça comme on peut. Ouais, il va bien gratter. Enfin, un cochon neuf, hein, les gars, quand même. Hop, on va remettre ça. Normalement, il a pas le zap. Parfait. On va mettre la bûche. On va mettre ça ici pour détourner la petite biatch là-haut là. Ok, il roquette. Bon bah, ok, si tu veux. Sa roquette, elle a même pas fini ma. Ok, bon, du coup, on part de l'autre côté, nous. À la princesse contre les barbares, c'est efficace. Reculer un peu les barbares. Hop. Ça, on repart là, là-dessus. Je crois que ça va être la win, les gars. Ok, bon, j'ai pas le choix de roquette. Ok, il roquette déjà, donc là, il a plus d'élixir, c'est le moment de mettre un push du turfu. On va mettre la princesse derrière pour défendre. Préparer ça au cas où il y a les cochons. Voilà. La petite bûche pour reculer tout le monde. On envoie le fût. On met ça pour détourner. On n'aura pas le temps de finir de toute façon. Je pense. Même si on. Ouais, de toute façon, même si on avait le temps, il nous serait passé devant nous. Il nous serait passé devant de toute façon. Il n'a pas de venir à la roquette quand même. N'aura pas le temps de tous les cas. Ouais, de toute façon, même avec le temps, il nous aurait eu, les gars. Clairement, il nous aurait eu. Je vais relancer une autre, du coup. Va jouer l'esprit de gel pourtant pour faire cycler un peu le deck. En main, j'ai pas grand-chose. Ah, ok, c'est bon, j'ai le combo, j'ai même plus. Oula. Il est bien gratté que ça m'a bardé les blés, hein. Dis donc. Donc là, il a zappé. Il a bûché. Il a plus rien pour défendre le push. C'est parti. Oh non, pas le bourreau. Putain, c'est de la merde le bourreau. Putain, c'est dommage, ça finit pas son bourreau là, parce que ça nous aurait bien arrangé quand même. Ça c'est bon, c'est géré. Le bourreau qui mettra aucun coup normalement. Parfait. Parfait. On va enfiler une princesse. Donc normalement il va. Ok, ça. Il va zapper, non? Il va zapper inutilement parce que son barbare d'élite fera aucun taf. Donc il a zappé du coup nous. Vu qu'il a encore sa bûche, on va envoyer le fût derrière. Oh là 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 là. Ça c'est du lourd les gars, ça c'est du lourd. Hein. C'est pro player ça. Monsieur Roi, personne ne veut que tu le montes, photo. Voilà. L'esprit de gel, l'esprit de glace les gars, c'est super fort. Ça gère tout. Ça gère tout. Hop, hop. On envoie la sauce. La princesse pour appuyer à la défense, mais normalement, il n'y avait pas besoin. Ça, on ne veut pas qu'elle touche la princesse. Voilà.
On retente le push vu qu'il a plus de zap ni de bûche. On va gérer la T2 avec ça. Hop. Je t'ai pas sonné, Cops. Ah non! Enfin, j'ai regardé pas la game, du coup je me suis. Oh là là. Les gars, je lâche l'écran une seconde, ça y est quoi. Vite, 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 il faut que je vote quelque chose là. Ah, c'est mort, putain, je suis dégoûté. Ah, de la salle, donne-lui pas à ton compte. Il te le rendra jamais. L'X5. Non mais les gars, vous croyez vraiment qu'il va vous monter l'X5 lui? Salut Mills! Bienvenue sur le live. T'as snap? Pourquoi t'as besoin de snap pour monter quelqu'un? N'importe quoi. C'est quoi l'X5? Qu'est-ce qu'il nous raconte lui avec ces leaks là? Salut Venom, bienvenue sur le live. Alors dites-moi tout de suite dans le chat là si vous êtes intéressé pour un autre tournoi ou non. Je lance direct là. Les gars, dites-moi si vous êtes intéressés pour faire un autre tournoi. J'échange mon compte à Clash Royale avec machin, bah ça sert à rien frérot, personne ne va le voir de ton compte. Ah, tu veux arrêter Clash Royale pour te remettre à... pour faire du Clash of Clans, d'accord, je viens de comprendre. Ah bah pourrais-tu retirer ton message, Skeb, Monsieur Roi, Skeb66. Eh, t'sais quoi mon pote, Monsieur Roi, tu dégages d'ici. On te signale. On va être bloqué temporairement, hein, écoute. Un petit 300 secondes, ça fait du bien. Bon, allez, les gars, je vous crée un tournoi. On va rester sur le même nom, hein. On va mettre live YouTube Cops et lâche un like. Abonne-toi. Ça fait plaisir. Oh là là, j'ai oublié d'enlever les majuscules. Bon, c'est pas grave. C'est parti. Allez les gars, vous pouvez rejoindre, c'est parti. On va changer l'idée, on va juste checker. Alors là, alors ça sera GP, non, JVP 2L2V. Voilà. Allez les gars, on est déjà 13, dépêchez-vous de venir, hein. Dépêchez-vous les gars.
De la salle, je te vois pas. Ah, je te vois, mon pote de la salle, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a dans le shop en ce moment? Bon. Allez, il reste que 20 places, les gars, faut se dépêcher. Il reste 10 places, les potes. Oula, cette place, ça va vite là, ça va très très vite. Ça sert à quoi? Bah, ça sert à faire jouer déjà une communauté. Ah, 150, c'est parti, je le lance. Donc, ça sert à quoi? C'est tout simple. Vous pouvez venir, moi je vous le fais faire gratuitement. Vous venez dans mon tournoi gratuitement, vous pouvez gagner des cartes. Si vous êtes dans les premiers, vous pouvez gagner. Regarde, le premier gagne 25, le deuxième gagne 15. Troisième, il gagne 10, etc., etc. Là, ça te coûte rien. Tu viens rejoindre, tu viens jouer, voilà. Et tu peux gagner des cartes. On va regarder Whisper contre Alex. Bon, pour l'instant ça va, hein. En bas il y a un cochon. Au-dessus, ok. On va voir, il n'y a pas vraiment d'alchimie pour l'instant. Que les gars, je reviens 30 secondes. Ça c'est une game assez serrée quand même avec deux decks de l'inconnu, on va dire. Clairement, le deck cochon va passer là. Ah ouais. Cette turn-là était mal joué. Ou bien joué le pré-shot là. Dommage que le cochon s'est pas tué, hein. C'était bien joué le pré-shot. Très beau pré-shot. Non, pas de Brawl Star. Est-ce que mon live c'est bon, il s'est mis. Ok, c'est bon.
Mais non, je joue pas à Brawl Stars, quoi. Je joue pas du tout à Brawl Stars. Il devrait passer plus facilement normalement, là il a vraiment du mal. Il a gratté à la boule de feu. Très abonné, pas beaucoup. Bah c'est mieux que rien. Il débute. Ouais, finition à boule de feu, normal, c'est logique. Alors, c'est une autre game, hein. Ah merci Altin Gaming, ça fait plaisir. Tu verras, il n'y a pas uniquement du Clash Royale, hein. Il y a aussi du Destiny et du Custom Zombie aussi. Je peux jouer aussi à GTA, hein. J'en fais pas vraiment en vidéo, mais pourquoi pas, hein. Putain, en ce moment, on voit des decks originales, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de variétés de decks là, hein. Après Altin Gaming, je pense que je vais pas tous les soirs, mais presque. Clash Royale, on va faire des tournois. Hein. Bon là, clairement, Doms Doms, il va passer devant Electro, hein, c'est logique. Salut Justin, bienvenue sur la live. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, hein. J'ai créé une chaîne YouTube, après 10 secondes, j'ai arrêté, j'ai sorti une vidéo. Pourquoi t'as arrêté? Ça te plaît pas de faire des vidéos finalement? Et si on regardait notre poteau de la salle jouer? Où es-tu de la salle? Où es-tu? Bah, t'es plus là ou quoi? Ah, il joue pas, ok. Ah mais faut pas s'attendre à avoir des abonnés du jour au lendemain. Hein. Tu sais là moi ça fait un moment que j'ai commencé les vidéos là. Hein. Pourtant j'ai que comme tu vois j'ai que 14 abonnés, ça fait vraiment longtemps. Hein.
de truc sur YouTube, c'est si tu arrives à t'amuser, tu vas pouvoir augmenter. Ah bah 1 million un jour, c'est le rêve de tout le monde, hein. Tout le monde aimerait avoir la chaîne de PewDiePie, hein. 60 millions d'abonnés, ça fait rêver. Ça fait rêver. Alors, Rariz, qui joue un deck géant. Géant, je sais pas, je m'attends à un cimetière, je sais pas pourquoi. Contre un ballon, mais le ce ballon. Avec l'ascenseur de la nuit, j'ai encore jamais vu cette version. Ok, donc c'est juste un géant bûcheron classique. Le bûcheron, il a pris la tour, hein. En fait, le bûcheron, si vous le jouez bien, il est balèze, hein. Déjà, bûcheron avec un rage, ça fait mal, hein. Ça fait extrêmement mal. Ouais, Molosse clonage, c'est moi, je trouve pas ça terrible. Franchement, t'as pas un deck arène 8 sans légendaire. Bah, tu prends un. Il y a beaucoup de lockbait qui marchent. Par exemple. Alors, attends, juste je check sur mon téléphone en même temps. Voilà, ça c'est pas mal. T'as. Alors, écoute bien. T'as le chevalier. Qui peut ce combo avec le fuyant gobelin. Ça c'est un combo qui est super balèze. Après, tu mets la TDE comme bâtiment défensif parce qu'il y aura beaucoup de golems déjà contre toi. Tu te mets. Qu'est-ce que tu pourrais mettre? Tu mets la roquette. Parce que du coup ton deck coûtera pas cher donc tu mets la roquette. Tu mets l'esprit de glace pour faire tourner et pour stopper quasiment toutes les troupes. Et l'esprit de glace contre un. Par exemple, s'il arrive juste à côté du board, on va dire un sorcier électrique ou même un bourreau, tu mets l'esprit de glace, il attend de mettre un coup et l'esprit de glace va aller sur la troupe adverse, ça va le stopper. Donc tu pourras l'éliminer en 2-2. Voilà. Après, bah, sans légendaire, j'aurais dit la princesse, mais si tu me dis sans légendaire, mets les archers, ça marche aussi très bien. Et tu sais quoi, bah, je vais te le montrer, bah, c'est exactement celui-là. C'est exactement celui-là que je vais te montrer. Exactement celui-là, voilà, je te laisse là 2 secondes. Je repars là-dessus. Je vais porter plainte contre toi car c'est moi qui ai fait cette bannière pour mes lives et tu me l'as piqué. Tu sais que le sac, bah porte plainte, hein, c'est pas grave, hein. Vas-y. Ça fera plaisir. Oh, en haut, c'est un deck méta, mais de ladder. Ça marche pas très bien en défi, celui-là, il me semble. En face, il y a un deck Prince Ténébreux. Regarde ma vidéo. Attends, je vais juste voir ta chaîne, du coup. Alors, Léo Barrios, franchement, logique, hein. Mais faire t'as 12 abonnés, t'as pas honte de voler des bannières à d'autres qui ont pas beaucoup d'abonnés? T'es jaloux en fait. C'est pas grave. Mais la bannière en fait, moi je l'ai trouvée sur Google, hein. Je l'ai pris. Même pendant le live, je l'ai dit, je l'ai pris comme ça. Parce que j'en avais pas. Donc si ta bannière elle est sur Google, tant pis pour toi, hein. Alors.
C'est un live, j'ai vu ta, je regarde ta vidéo et c'est un combat. T'as une bonne qualité, hein. Par contre, t'as pas la qualité 720p. Tu dans ton titre, tu mets mettre la qualité 720p, mais tu l'as pas sur ta vidéo. Alors, maintenant j'ai 73 abonnés, désolé, je vais bien laisser, mais change là s'il te plaît pour le prochain. Mais tu sais que enfin, si c'est vraiment ta bannière, je l'ai pris sur Google Images, hein. Et bizarrement, elle est sur aucune de tes vidéos, donc voilà quoi. Le mensonge est présent. Surtout t'as 68 abonnés et non 73. Sur tes lives, Crash Royale, tu la mets, elle est sur Google pourtant. Bah attends, bah, je vais regarder, hein. Parce que je viens de voir sur ta chaîne, mais bon, j'ai rien vu du tout personnellement. Il n'y en a pas ici. Non, je vois pas. Mais vas-y, je t'en prie, hein. Va porter plainte. Mais sur mes lives, t'es un peu con. Ah, bah tu live sur quoi? Sur Twitch? Ah, désolé, j'ai du mal à comprendre, hein. Bon bref, on s'en fout un peu, du coup on repart un peu sur le live là. C'est un deck cochon. Cochon PK, c'est trop cher. Contre un sorte de zap bait, lock bait là. Je vais pas porter plainte, mais sérieux, j'ai 13 ans, je me suis cassé le cul à faire des trucs et tout. Attends, mais... Je m'en fous en fait, elle est sur Google Images, je l'ai pris, c'est. Tout le monde peut la prendre, hein, on s'en bat les couilles. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Bon, le cochon il passe largement devant. Ouais, ça c'est clair et net. Il reste 40 minutes. Salut Issa.
Mais faut le défendre le cochon là. Mon dieu. Faut le défendre ce halouf. Quel est ton clan? Mon clan, c'est l'Empire 83. T'as quitté, c'est trop dur. Non, mais après, au pire, tu prends. Tu t'essayes des decks, tu vois. Même si c'est trop dur, t'essayes des decks, tu vois quelle carte t'arrives à t'habituer et tout. Voilà. Comme ça, même si tu gagnes pas. Tu peux voir qu'est-ce qui se contre entre guillemets, tu vois. Le bourreau qui prend la tour, hein. Bah oui. Alors dans le clan, il faut 2800 trophées pour rejoindre. Mais il me semble que le chef du clan il a descendu à 1800 là. Je sais pas s'il l'a remonté. C'est quoi, je vais dire ça tout de suite. Hop. Ouais, il l'a remonté à 2008. Ok. On repart sur une game de Kratos. Mario, tu vas créer un tournoi, c'est ça, j'ai compris là. Je crée, vous rejoignez. Bah écoute, créer et donne-nous le mot de passe, on va rejoindre, y a pas de souci. Y a pas de souci. Pas de souci, ma gueule. Jonathan. Oula. La tour de gauche va tomber là. Oula, 6 points de vie. La bûche et c'est fini. Et oui. Peux-tu lui demander de descendre? Bah écoute, De La Salle va le faire. De La Salle il va demander, y a pas de problème. Je sais pas s'ils sont par contre sont pas connectés, je crois, les modos là. Connecté, je pense. Non, non, je suis pas chef du clan, moi. Je suis pas du tout chef du clan. Je viens de le rejoindre, ce clan, c'est pour ça. Enfin, je viens de le rejoindre. Ça fait un moment que j'y suis, mais je l'ai rejoint parce que c'est des potes. Un deck cochon contre un deck mineur. Salut Fouad, bienvenue. Y a du people.
Ok. Mon avis, on décolle. C'est un peu tard. Demain? Ah! En bas, il y a un lockbait. Contre un lockbait mélangé, je sais pas quoi, avec un sorcier là. Ah, de la salle. Moi, j'ai une PS3, j'ai une PS4 aussi. Il gratte bien en bas là. Hein. Ah, c'est un PK en face. Contre Lockbait, il va se faire exploser le PK. Explosé! Explosion! Il aura fallu garder là, bah ouais. Allez là. Le fût. Ah, fallu d'avoir. Ouais, voilà, ça va prendre la tour. Hein. Finito. Ah, des juniors, tiens. Oula, triple mousquetaire. Golem, triple mousquetaire. Ouh, la tour du roi. C'est tellement dommage. Et à gauche, ça va prendre la tour. Il est bien parti, Junior, là. Hein. Très bien parti. Hein. Ça part en 3 couronnes direct là. Ah, dommage. Ils sont pas enragés, les mousquetaires. C'est dommage, ça. Ouais. Ah bah, il part direct 3 couronnes. Hein. On s'est foutu hein, pour André. Hein. La partie elle est finie hein. Là, faut pas espérer de toute façon là. Là je visionne là. J'arrive pas à attaquer. Je vais essayer de tard de jouer mais je sais pas, j'arrive pas aujourd'hui. J'ai tout perdu. J'ai gagné aucune d'ailleurs. Allez, là vous pariez sur qui? N'empêche, tu Berlian, il lâche pas l'affaire, hein. Ouais, il est encore en train de se défendre. Hein. Il est encore en train de se défendre, c'est vraiment pas mal. Par contre, t'es en face. Si tu Berlian revient, les gars, je vous fais un tournoi à 2000 gemmes.
Ah ouais, c'était pas possible. C'était pas possible. Alors, est-ce que je ferais pas une petite game, moi? On va prendre. On va prendre ça, tiens, c'est bien ça. C'est pas mal. Ah! Donc là, tu peux rejoindre le clan, là, si tu veux. Foued. Foued, tu peux rejoindre le clan. Moi, je vais tenter une game. On va jouer avec l'Arc X. Ça fait un petit moment que je n'ai pas joué l'Arc X. Ma meilleure carte, j'aime beaucoup le cimetière, j'aime beaucoup l'Arc X. Ah, le PK, c'est dégueulasse. Tu vois, par exemple, ce genre de game, tu vois, tu fais une game, tu tombes contre ton counter parfait, tu vois. Ça donne pas envie de jouer, hein, franchement. Tu peux rien faire. Oh là 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 là, c'est monstrueux. On peut rien faire du tout. Coup de pas de chance, hein. On va essayer de... Oula. Pas milieu. Bon, de toute façon, ça sert plus à rien de jouer ce côté-là. On va tenter... on va le tenter comme ça, hein. Salut Anthony, bienvenue sur le live. Ouais, non, ça passera jamais. Oh putain, j'ai mal placé mon golem de glace en plus. Comment je vais faire? Comment je vais me débrouiller? Partir ça comme ça, ça comme ça. Hop. On va boule de feu, tant pis. On va garder le maximum de troupes. On met ça là. Oh, le canon de merde. On va mettre la T2. Voilà, c'est très bien là. Ça c'est bien parti là. Il a beau faire ça, il pourra pas tout. Vite. Parfait. Là, ça cogne. Là, ça a bien cogné. Ça va, je vais pas pouvoir prendre la tour, hein. C'est mort. C'est mort, les gars. Ah ouais, le PK, c'est pas possible, en fait. Impossible de jouer contre le PK avec ce deck. On peut rien faire. Cherche clan pro avec le minimum de joueurs cancer. T'es deux tours de l'enfer, bah pourquoi? Tout le monde joue comme il veut. Fouad, t'as pas rejoint. Hein. Il a baissé le nombre de trophées pour toi. J'ai lancé vite fait une game en live là. Par hasard, c'est la fin comme par hasard. Hop, ça je vais pouvoir vite fait relancer une game de mon côté. Je vais retenter l'Arc X, je m'en fous, j'ai envie de passer avec. J'aimerais bien passer avec, ce serait vraiment cool. Parce
Est-ce qu'on cyclerait pas en premier? Oh, on va cycler, on sait jamais. Voilà, c'est parfait. Je savais bien qu'on n'aurait pas l'arc-X juste derrière, de toute façon. On va mettre ça. Boule de feu tout de suite. Oh, sorcier de classe avec. Oh, magnifique. Magnifique. Ouais. Vas-y, rejoins ton clan. Mon nom, c'est Invisible Ghost. Bah, rejoins, écoute. Hein. On met l'arc X. Ouais, très mal joué là. C'est pas grave, tu nous fais plaisir du coup. Allez, ça va passer. Là c'est compliqué de jouer contre un Arc-X. Hein. Une fois que ça passe l'Arc-X, ça fait très très mal. J'ai mal joué mon esprit de glace, c'est pas grave. Je vais mettre un coup. Ça va pouvoir le recharger un peu. Hop. Salut Mathieu, bienvenue. T'es déjà là tout à l'heure, non? Ton blaze il me dit quelque chose. Hop, direct, le zap. Dommage. Bien tenté, on va dire. Voilà. On prend la tour, tranquillement. On va placer une petite TDE. Même pas, vous savez quoi, on n'a pas besoin de TDE. On va juste placer ça sur le côté. Ça ici. Ah, il joue Molos en face, ok. Hop, nous on place ça comme ça. Il s'appelle l'Empire 83, le clan. Ici, on va boule de feu. Ici, on zappe. Oula, 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 oula. Il va se détendre avec tous ces troupes là. On va boule de feu tout ça. Hop. Normalement ça devrait passer hein. À moins d'un miracle de sa part, ça devrait passer pour moi. Voilà une petite win à l'arc X. Ah, Invisible Ghost. Là faut que Taz il l'accepte là sur ce compte là, je peux pas moi. Les gars, vous pouvez venir dans mon clan, il s'appelle Nova World. Je viens juste de le créer, je m'appelle Mathieu OM, on est que 6. Moi je rejoindrai pas Poto parce que du coup je suis dans un clan avec des potes là. Désolé. Ici on est 43, pro, vous venez pas. Vous venez tous les 6, on est 49 hein. On va lancer ça. On va trop tard, c'est déjà fini. Ah bien sûr, les autres, si ça vous intéresse d'avoir un clan... Attends. Le clan s'appelle Nova World. Nova High World. Si ça vous intéresse, les gars, vous pouvez y aller. Hein. Après, je sais pas, c'est bon, trophée pour le clan, je rejoins pas. Après, nous, ce qu'on te demande, c'est pas d'être haut en trophée, hein. Nous, on veut juste qu'à chaque coffre de clan, il y a au moins 15 couronnes de fête et que tu participes au don. Voilà, après, on s'en fout, tu vois. Alors, chez nous, le meilleur, je crois qu'il a 4000 trophées, hein. Mathieu, si ça t'intéresse de venir dans notre clan. Va voir mon profil et dis-moi. Non mais de toute façon même ton profil, même s'il est. Même si tu débutes, nous ce qu'on demande c'est juste que tu participes au coffre de clan et que tu participes aussi au don. Voilà, c'est tout simple. Tout le monde peut rejoindre.
Après, on essaie de faire en sorte quand même que les joueurs, voilà, on va dire que ce soit pas que des petits trophées, mais genre voilà, si on a une dizaine qui sont en bas trophées, c'est pas grave. Donc là, on assiste à un lockbait en bas contre un mineur fournaise incompréhensible. Et bizarrement, il n'a rien à faire du dégât quand même. Hein. Mais bon, ça va prendre la tour en haut. Ah non, ça prend pas la tour. J'ai demandé à rejoindre, bon, regarde mon profil, dis-moi si ça peut aider. Tu sais quoi, on va checker juste après ce combat. C'est normal, il devrait se finir là, hein, ça devrait pas passer. Hein. Faut défendre à gauche plutôt que push. Voilà, très bien. Il a bien joué. GG à. Je sais plus qui c'était que t'es en bas. À Docteur Trippy. On va checker ton profil, mon pote. Je pense qu'il y a personne qui est connecté, hein. C'est pour ça qu'il était pas accepté encore. Ah oui, mais t'as. Tu te fous de ma gueule, toi, un peu. Comment ça fait que t'as pas de clan, toi? Ah oui. Waouh. Très beau profil, hein. Très très beau profil, hein. Ouais, t'as les Epic 6, c'est déjà bien ça, hein. Ah, tu voulais que je te le montre en live. J'espère que t'es bien content. N'empêche, 4429, 4908 le record, vraiment. Bravo. Beau gosse. Enfin, si t'es un mec. Sinon, bah. Tu te battes de clan en clan, bah, viens pas chez nous alors. Nous, on veut des gens tu vois, qui sont avec nous, tu vois. On est tous une bande de potes, tu vois. Ah, on arrive à la fin de la game. Alors, allez, on va regarder. Sacha Grey. Contre tout Pesadilla. Sauf si je trouve un bon clan, ça m'arrive d'y rester 3 à 5 mois. Bah viens chez nous, poteau. Hein. Nous, on t'accueille, hein. Pas de problème. Hein. Ah, Mathieu qui force, hein, qui veut que vous rejoigniez son clan. Ça vous intéresse, les gars, allez, regardez son clan, hein, Nova World, je crois. Ils sont 6. 3000 trophées, apparemment. Ça vous intéresse, allez-y, hein. Aujourd'hui tous, tournoi Dark Lucia, mot de passe France. T'étais dans le clan Golem Family, pourquoi t'es pas resté? Golem Family, c'est un bon clan quand même. Ouais, Mathieu, il est en train de supplier tout le monde, il est en PLS. Lis le message entièrement, j'étais dans le clan du bouser, deux qu'avant. Ouais, Quentin, oui. Et j'ai tout lu. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, justement, je te conseille de rester dans un bon clan. Alors, d'après Mario Luigi, il a relancé un tournoi. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont cassé le clan Golem Family. Oh Mathieu, hein, tranquille, hein, c'est pas grave, hein, t'inquiète pas.
normalement le géant devrait passer là. Hein. Faut tourner à la foudre, hein, c'est pas grave. Ouais, voilà, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Il faut recycler une foudre. Oula, tu vas te prendre un vrai push là. Source électrique. Oh, bien joué la Tombstone. Très bien joué la Tombstone là. Sacha Grey, très bien joué. La petite foudre et c'est fini. Logiquement, tu l'as là, la foudre. Voilà, la foudre, allez. La foudre. Maintenant, la foudre là, t'attends quoi? Voilà. Bien joué. Alors, on va voir si Mario Luigi, il nous dit la vérité ou non. Alors, Dark Lucia, alors. Tu sais quoi, de toute façon, j'ai deux comptes. J'ai regardé mon autre compte, hein, c'est simple. Ah, c'est pas un tournoi 2000K, ça. Il nous a menti, lui. Salut Laurent Madeleine, bienvenue sur le live, hein. Excuse-moi. Hop, j'ai lancé Docteur Trippy. Mot de passe nous a dit quoi? Vas-y, que je regarde si tu dis la vérité ou non. Mot de passe. Où es-tu? France. Alors, on va regarder, hein. Ah oui, en effet. Par contre, c'est pas un tournoi de 1000 cartes, hein. Ça, c'est un tournoi. C'est pas un tournoi de 1000 cartes, ça. J'ai rejoint ton tournoi, Mario-Luigi. Ah, 2K gemmes, d'accord. Ok, je viens de comprendre. Ah, moi j'ai compris, c'est 2000 cartes. Il reste 12 minutes dans le tournoi. Oula, ça va vite là. Salut Netron PVP, bienvenue sur le live. La tête de qui tu veux, je vais le dire jusqu'à ce qu'on soit 30 comme avant, mais dans un autre clan. T'as rejoint Adlucem, c'est bien ça, c'est un bon clan ça aussi. Ah, ce que je cherche, c'est à être dans le top FR, c'est pour ça. Moi, on va dire que je cherche pas parce que j'ai pas la carte maxée. Loin de là, j'ai mes meilleures communes au niveau 11. Hein. Ça va, et toi, Netron? Alors déjà Mathieu, t'as fait une faute à Name. Bon pauvre Mathieu, t'es un peu en PLS toi. Hein.
peux le dire encore en trois langues, bah vas-y, éclate-toi, hein. Dis-le en espagnol. Je me suis abo, bah bienvenue toi et moi. Merci de l'abonnement, ça fait plaisir. Espagnol, russe et devine ma langue natale. Bah le français. Est-ce que c'est une langue déjà, je vais pas dire inconnue ni connue, mais qu'on entend couramment, du genre plutôt italien, anglais, autre que, par exemple, ça commence par un A, ça finit par un E, l'arabe. Tu parles arabe. Pour moi, ça veut dire, c'est ça que ça veut dire. Ou alors attends, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Inconnu et dur à capter. Inconnu et dur à capter. Oh, j'en ai aucune idée. Non, franchement, je vois pas. Je vois pas du tout. Arménien. Mais ça finit pas par un E, ça finit par un N. Ouh, le cochon qui a failli mettre un deuxième coup là. Ah là, par contre il est un peu mal là. NY. Je sais pas si c'est New York ou pas, hein, mais bon. Ah, t'es arménien. Pas mal ça. C'est dommage pour lui, du coup, il va même pas pouvoir gagner la game, hein. Le pauvre. Toujours, on va y mettre un coup le cochon. Ouh, le cochon l'avait mettre un coup. C'est horrible. Il allait mettre le coup, le cochon, là. On le voyait. Ah, quelle horreur. On va regarder le premier du tournoi. Alors, Daily Soon, t'es mort ou quoi, là? On t'entend plus. Aléo Barrios, il gagne ses games, hein. Il a beaucoup de trophées, là. 265, il a bien géré, quand même, hein. On va regarder Dr. Trippy. Qui a déjà bien gagné, entamé la game, hein, quand même. Oula oula, barbare d'élite. C'est un très bon contre lockbait. Oh, c'est superbement géré ça. Allez, contre le cochon, il a battu quelques coups. Je me suis entêté de créer. Je suis la mère. Et il m'a vu. Et il m'a vu. T'es en tout vos cadeaux. Dans la DB. Ça va, ça s'appelle Lucas, je vous dis. Hey, j'ai rien compris, poteau là. Incompréhensible ce que t'as écrit.
La nuit, je fais des PD. Que veut dire PD? On repart sur le live, Tuberlion, YouTube, élection Lockbait. Il va faire très très mal avec son PK en face là. Oh, il a bûche, il a miroir bûche. Oh Mathieu, j'ai compris que tu te foutais de ma gueule, hein. C'est bon, tu peux te calmer maintenant. Il faut la TDE. Le PK va taper. Ouh, le PK il tape, c'est foutu. Je t'agribérais pas mal. Salut DR Royal, bienvenue sur le live. Ah, le cochon il va passer, hein. Avec forcing, mais il va passer. Mathieu qui fait encore la pub pour son clan, hein. Il est désespéré. Allez, double cochon là. Allez, c'est fini. Un coup de cochon, c'est terminé. GG Rarius. Rarius. Ah là là. Vas-y Mathieu, demande tout ceci. Moi, dis ce que tu veux, hein. De toute façon, tu peux faire ta pub, hein. Pas de problème. Hein. Il reste 2 minutes. Rejoins mon clan Nazgul. Bah, personnellement, moi, je rejoindrai pas parce que je suis dans un clan avec des potos. Mais après, dans le live, bien sûr, ceux qui veulent rejoindre peuvent rejoindre. Hein. Tu vas faire concurrence avec Mathieu parce que Mathieu il veut. Il cherche du monde aussi. Alors, on a un deck Golem, Sorcière de la Nuit, Veille de combat, ça coûte cher hein, tout ça quand même. Après, il y a quand même l'extracteur, mais bon. C'est pas suffisant l'extracteur. Y'a plus de musique là ou c'est moi qui bug? Ouais, y'a de la musique. Ouh, je commence à avoir mal aux jambes là. Ah, dommage, le balai de combat qui a pas tapé. Par contre, ça va faire un taf là. Ah, bien joué la tornade. Ça a quand même taffé pas mal. Hein. Par contre, faut défendre le PK là. Hein. Ta défense avec un golem, je vais pas te mentir, ta défense elle est à chier. Ouh là 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 là, il t'a counter toute ta défense là. Ah, la voleuse qui prend la tour. Y a pas de musique? Mais si y a de la musique pourtant, parce qu'elle est pas assez forte. De la musique. Ton âge finit dans
14 secondes, on va regarder les dernières games. Salut Mathieu. Voilà, le lockbait toujours de Tuberlian. Ouais, j'avais fait, c'est parce que j'avais pas mis assez de son dans la musique. Je pense qu'il est un peu trop fort le son, non? Non, ça va, ça a l'air d'aller. Ouais, c'est foutu pour NY là. Hein. Y'a qu'une bûche à mettre et c'est fini. Et après, il joue pas de l'autre côté. Il a gagné là. Après, il va faire durer le suspense comme ça. Allez, finis-moi cette game là. C'est terminé. Reste-t-il des games à regarder? Oui, il reste des games à celle-ci. Oula, Whisper qui est en PLS là. Dom Dom qui lui a mis pas mal. Son petit combo, il est pas mal, hein. Salut Mathieu, bonne nuit. À demain. J'espère. Anthony, t'inquiète pas, Mathieu, il est là pour faire sa petite promo, hein. C'est pas bien grave. Allez Mathieu, bonne nuit mon pote. Voilà. Il faut défendre le cochon là. Ouh. Oh le gel. Oh le gel. Il va faire un taf monstrueux le cochon. Ah c'est dommage. C'est dommage. Allez cochon là. Ah dommage. Ah, c'est vraiment égalité là. Là, faut c'est de la défense. Hein. C'est de la... C'est lui qui aura le cochon le plus agressif. Ah, le cochon gel, il est plus agressif. Hein. Ouh, allez! Oh, le dernier coup! Parfait. Bien joué, Esper. Ah, là, le tournoi est terminé. Et donc, bien joué à Leo Barrios, qui a quand même une sacrée avance hein, sur les autres. 265, c'est quand même pas mal. Ok, du coup c'est tout pour ici. Désolé, mais je peux pas vous accepter les gars. Hein. Je suis même pas aîné là-dessus. Hein. Si, moi je suis à peine aîné, donc je peux pas vous accepter. Faudra attendre demain, on va vous accepter, vous inquiétez pas. Vous deux, vous trois même. Non, vous deux. Ok, on vous accepte demain. Par contre, est-ce que son autre tournoi il a lancé ou pas? Je vous invite à rejoindre ce tournoi-là. Les gars. Dark Lucia. Dark Lucia. Le mot de passe, les gars, c'est tout simple. Oula. France. On part en majuscule, par contre. Oh, mais qu'est-ce qu'il me fait, l'ordi France. Ah, impossible de rejoindre le tournoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Mot de passe, c'est France, les gars.
juste mettre les bonnes idées de tournoi. C Q P O 9 U U. Voilà. Venez rejoindre les gars, hein. Mot de passe c'est France. Je vais me mettre ici comme ça au moins. Allez les gars, on s'embrouille pas. Salut Mathieu, bonne nuit. Ah, pour ceux qui regardent le live, hein, rejoignez le tournoi, hein, c'est gratuit là. Hein. Vous aurez des cartes. Hein. Même si vous jouez pas, imaginons que personne ne joue, vous avez vos cartes. Allez les gars, rejoignez ça. Rejoignez le tournoi là. Bon les gars, ça fait 3 heures de live. Je vais m'arrêter bientôt, hein. On va s'arrêter bientôt.
après. Je joue là si tu veux. Le tournoi il s'appelle Dark Lucia. Salut Mathieu. Ok les gars, ce qu'on va faire, on va se faire une petite game en live hein, pour terminer le live. On va prendre le deck, on va prendre celui-là. Une petite dernière. Après, je pense que je vais couper le live. Ça va. J'ai cru que j'avais perdu un peu de temps, mais c'est passé. Il a acheté ses flèches. Bonne nouvelle pour nous, ça. Les bats. Ok. Bah, les bats, on va même pas les gérer. Hein. On va faire tourner le deck avec ça. Alors, on va mettre ça. Petite TDE. Non, je suis trompé de carte. Ah mon dieu. Ah du coup maintenant il y a les flèches pour le fût. Hein. Normalement le fût ne passera jamais. Pas grave. Un petit coup de chauve-souris. Ouais, c'était sûr. Hop là, disparition. Voilà, là il a joué ses flèches. Bêtement, on va pouvoir lui mettre le chevalier fût. Le mot de passe c'est France Maxence. C'est écrit juste en bas à droite de la vidéo. Avec un F majuscule. Hein. Je sais pas si ça change quelque chose sur Clash Royale, mais mets-le, on sait jamais. Bon, ce que je vais faire, je vais garder le zap pour ces chauves-souris de merde là. J'aurais dû défendre. Putain, j'ai fait une erreur, c'est pas grave. Hop, je vais mettre ces merdes là. Ah, logique. On va mettre ça. Ça. Ça.
Il la gagnera pas. Je m'en bats les couilles, il la gagnera pas. Ah, il manque pas grand chose pour être le. Allez. On va tenter, hein, de toute façon, on n'a plus grand chose à faire. Vite! Wouhou! 3 PV! Ouh là là! J'étais en stress, mon pote! Parfait! Du coup, on lance le petit coffre. Là, vous avez le tournoi. Hein. Vous avez encore du temps pour le rejoindre. Hein. Et il y a du time. Bon, moi, je vais vous laisser là-dessus. Ça fait déjà quand même 3 heures que je live. Salut Sayonara. Je vous laisser là-dessus, j'en ai marre un peu là, ça fait 3h10. Rejoignez le tournoi. De toute façon, en tous les cas, vous gagnerez un peu de cartes. Il n'y a personne quasiment dans le tournoi, donc c'est le moment de rejoindre. Vous avez le mot de passe en bas à droite de la vidéo. Sur ce, je vous dis, bah, déjà, abonnez-vous. Abonnez-vous, mettez un petit like sur la vidéo. Sur le live, quoi. Pour plus de Clash Royale, hein. De toute façon, normalement, il y en aura un petit live demain soir aussi. Quoi qu'il arrive, bah, soyez au rendez-vous à hein, 20h environ, aux alentours. De toute façon, si vous êtes abonné, vous aurez la notification. Tu vas pas le lancer avant la fin. La fin. Non, c'est pas mon tournoi. Hein. C'est pas mon tournoi celui-là. C'est un tournoi qui a été créé par un abonné. Normalement, mais j'ai déjà fait deux tournois, moi. Un tournoi qui a été créé par un abonné, mais je sais pas ce qui. Personne ne relance son tournoi, bizarrement. Alors pourtant, il y a quand même pas mal de cartes à gagner. Enfin, bref, sur ce, moi je vous laisse là-dessus. Abonnez-vous, lâchez un like. Je vous dis à demain, les gars. Ciao. Bonne nuit, tout le monde.